Et salut à toutes et à tous les gamers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de Blackbird. Comment vas-tu, Blackbird? Très bien, toi. Ça va très très bien, mon ami Blackbird. J'espère que t'es en forme depuis la dernière vidéo qu'on a fait ensemble, qui était un MCPVP qui a été posté sur ma chaîne, justement, que tu savais pas, mais qui a été posté. Enfin bon, puis il y a notre petite Riel, qui est un sans-abri qu'on a recruté dans les fonds, fin fond de l'océan Atlantique. Alors, on se retrouve aujourd'hui les amis sur Minecoin. Minecoin c'est quoi? Je vais laisser Blackbird plus vous expliquer en détail, vu que c'est lui qui m'a, disons-le, entre vous et moi, fait venir ici et qui m'a donné envie de jouer ici. Fait que Blackbird, on t'écoute ma petite. Minecoin, donc c'est un serveur PvP faction, donc basique. Le seul, on va dire, point qui change les autres serveurs, c'est juste qu'on peut gagner de l'argent PayPal en jouant sur le serveur en fait. Donc il faut farmer en gros les diamants, farmer les citrouilles, qu'on peut changer ensuite comme des coins. Et ensuite, chaque coin vaut 10 centimes. Comme celui-ci vaut 10 centimes, les amis. Et après, on demande aux admins qui nous échangent. Contre l'argent PayPal. Ouais, c'est ce que j'ai compris. Après, je sais pas vraiment. T'es mort. Oh, il a même pas tombé, il a cheaté, c'est bon. Non, cheater, cheater. Donc, enfin, voilà, les amis, j'espère que ça va vous faire plaisir. Je vais pas arrêter, disons que je vais juste faire. Ça, c'est pas une nouvelle saison, c'est juste quelques épisodes, là, vite fait, où on va essayer de construire une base, etc. Fait que je sais pas si ça va être une saison, j'ai aucune idée. Peut-être qu'on va arrêter Upsify de commencer Minecoin, vu que je suis pas très grand fan d'Upsify, je dois vous l'avouer, les amis. C'est vraiment un serveur, ben, quand même, ouais, je sais pas comment vous expliquer sans être méchant, là, mais la communauté est très, 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 très bizarre, puis ça m'a pas tellement plu. Fait que voilà. Fait que là, il faut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de chaque Mais côté. par contre, ne claim pas en vidéo parce qu'il y a les chunks qui s'affichent. Ouais, t'inquiète. Je vais faire 6 de chaque côté du spawner. Fait qu'il faudra creuser de 6 de chaque côté. Je crois que c'est ça, non? C'est pas du tout. Je crois que c'est 4 chaque C'est vrai? côté. Bon, on va faire 6 comme ça, au pire, il sera plus grand. Puis là, faut tout creuser. Fait que, bon, ben, on se retrouve. Ben, on va creuser ensemble, on va parler en même temps, pourquoi pas. Fait que, moi, sincèrement, les amis, ce serveur-là, il est proposé par Groupe ZK. Fait que l'argent, dans le fond, que les gens avaient mis dans l'exemple le Grand Elite, etc., je pense que ça s'en va directement là. Je suis pas certain exactement là. C'est moi ça. Je suis pas le meilleur, mais c'est pratiquement ça, je pense. En tout cas, côté d'Emerald, Je l'ai déjà récupéré. c'est quelque chose du genre. En tout cas, c'est pas ça l'important, mais l'important c'est que vous sachiez que ce serveur-là, c'est le contraire du pay to win. Dans le fond, c'est play to be pay. On doit s'avouer entre vous et moi, les amis, que c'est très très long à avoir de l'argent, là. Je pense que c'est même pas rentable pour vous, les joueurs. Même si, genre, ça prend 5 heures pour avoir un fucking 10 cents, là. Fait que pour avoir 5 euros, imaginez-vous combien de temps ça prend. Enfin bon. C'est pour ça que c'est le but du serveur en fait, c'est le farm. Le but, c'est juste de Et farmer. Un peu comme Wizcraft. Si vous souvenez un peu Wizcraft, c'est un peu la même chose, right? moi, par contre, on est payé avec de l'argent de paye. Ce qui Oh, motive les joueurs en fait. Ouais, c'est pour ça qu'il y a des joueurs connectés, je crois. Parce que les gens veulent s'acheter des grades VIP et tout sur d'autres serveurs, et puis ils viennent ici pour faire leur thune, tu vois. C'est rigolo, mais c'est vrai quand même. Voilà. Donc on va miner ça, on va faire un trou ici à peu près. Je crois que c'est à partir d'ici qu'il faut faire un trou. De 3 de chaque bord, je crois. Ça. Voilà, comme ça exactement. Ici, il y aura des panneaux tout autour, puis les mobs vont tomber dans le milieu. Puis en dessous, on va faire un truc qui descend plus bas. Mais bon, pour le moment, on va creuser les murs. Donc, on va juste aménager un petit spawner pour se faire de l'enchantement. On a déjà des P3, etc. On va vite fait vous montrer ça tout de suite après. Pour le moment, on va vraiment juste faire le spawner. On va installer les coffres en bas du spawner. Pour le moment, on a fait un petit pillage que je vais essayer de vous proposer à la fin de cet épisode-là. Qu'on a récolté quand même pas mal de stuff. Fait Pas mal de que minerais. j'avais dit dans l'épisode, je fais genre ouais, je suis pas sûr si je vais commencer un let's play, etc. Finalement, j'en ai commencé un, je me suis bien amusé sur le serveur, etc. Fait que vous allez voir un petit bonus après. Fait que voilà. Je sais pas comment trop vous expliquer ça, parce qu'en fait, je sais pas si j'arrête Upsify, si je commence ça. Fait que je peux pas vraiment vous dire si c'est une nouvelle saison, si c'est. Vous comprenez? Déjà qu'on a beaucoup de sé séries en cours en ce moment, c'est chaud quoi.
Fait que pour le moment, je vais juste faire 2-3 vidéos. Puis je vais essayer de vous en proposer une par semaine, un petit pillage sur le serve, etc. etc. Je pense que c'est bon comme ça, right? Qu'est-ce que vous en pensez, bande de PD? Tu vois, c'est ta chaîne, tu fais ce que tu veux. Quoi. Mais toi, t'en penses quoi? Ce que tu crois? Donne-moi ton avis, mec. Je sais pas, tu fais ce que tu veux. Si tu veux arrêter Optifine, tu arrêtes Optifine. Moi, Vrai, perso, ça, j'y putain. joue pas, puis voilà. Ouais, c'est un peu pour ça aussi, parce que sur Obsfight, en fait, je suis tout seul. J'ai pas d'amis, vous voyez. J'ai pas du tout d'amis. Faudrait juste boucher ça ici, les amis, pour pas que ça. Les mobs spawn. Sais-tu quoi? Je pense qu'on claimera même pas ça ici. On va faire notre home ici, non? Je sais pas. Ou tu préfères faire une skybase? C'est mieux de faire une skybase, tu penses? Je pense que c'est mieux de Pire, faire une sky. Ouais, le spawner, on le prend pour le FM, mais on met pas de stuff ici. au pire. Ouais, au pire, ouais, c'est ce qu'on va faire. Yep, bonne idée, mon vieux. Tiens, vous J'ai allez déjà pas arrêter. mal de love de creep 17. Un gros dédicace à Gary, Ah, réel, qu'est-ce que tu fais? qui est Tu peux aussi creuser dans. là aussi? Bah ouais, parce qu'en fond, les mobs, ils vont pas spawner en haut, puis ils vont tomber jusqu'en bas, et nous, on va les taper en bas. Non mais nous, où on est là? Est-ce qu'il faut creuser? En haut Non, 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 non. Juste ici, dans le trou, ce que j'ai fait. là. Ok, ça on rebouche. Rebouche. Juste le milieu. Parce qu'en gros, l'eau va s'en aller sur le côté, normalement. Si je me trompe pas, quoi. Mais normalement, ouais, je crois que. Regarde, voilà, ouais. Les mobs, ils spawnent ici, puis ceux qui spawneront pas dans le trou, ben, vont être poussés par de l'eau qui va y aller Riel, jusqu'ici. descend. Descend, Riel. Riel, c'est un nom de merde, quand même, je veux pas dire. C'est Kikiku qui s'appelle comme ça. Aimer ce con. Est-ce que vous avez enlevé des torches? Non. Ça spawn tout seul quand même. Ok, fait qu'il y a comme ça. Et là, genre en bas là, il y aura nous qui va les taper. Voyez le genre? C'est très bizarre. Quoi? Est-ce que ça va tomber à l'infini? Je sais pas moi. Non, non, je vais le faire tomber juste ici, quoi. On va être obligé de les taper. Mais est-ce que les mobs vont tomber à l'infini, tu vois? Je pense que ouais, je suis pas Tu vois, certain. si. Faut avoir une distance, je Ah oui, mais on est très près, alors ça va tomber très rapidement, ouais. Si c'est ça que tu veux savoir. Mais non. T'es sérieux, Non, c'est pas celui-là? ça que je veux savoir. Ce que je voulais savoir, c'est tu vois, de où tu tapes jusqu'au spawner, Ouais. et ben en fait, il y a une limite, c'est genre, je crois que c'est 8 blocs. S'il y a moins de 8 blocs, il y aura genre 3 zombies et ça va arrêter de spawn. Et s'il y a plus de 8 blocs, et ben les zombies, tu vois, ils vont toujours tomber, et puis à force d'un peu, Ouais, tu je vas en pense qu'ils avoir vont genre tomber à 100, l'infini. 150 et tout. Si c'est 8 blocs, c'est bon, je crois. Ça doit être quelque chose du genre. Après, je suis pas un pro dans tout ça, hein, mais. Là, ici, il faudra mettre des genres de barrières. Ou whatever. Faut pas que les mobs nous tapent. Ça, t'es bon là-dedans, toi, les spawners, normalement, non, Black? Mais bon, vu que t'as commencé à le faire, c'est chiant. Je sais même pas comment faire, j'y vais à la random moi. Et là, on va faire par exemple, ouais, je vais mettre un coffre là. Est-ce qu'il faut. What the fuck? Je pense qu'il faut mettre des pancartes tout le long ici, tout le long du truc. Non? Je sais pas comment faire, mec. Faudra que vous voyez ça. Mais je sais juste qu'il faudra. T'as récupéré le bois, Wivener, ou pas? Lance-le-moi. Merci. Nickel. Qu'est-ce qu'il est con, les amis. C'est réel, il a enlevé toutes les torches au spawner. T'es sérieux? Mais
Il passe pas, nickel. Puis là, il y a des systèmes d'eau, les amis, qui vont faire tomber tous les items. Jusqu'en bas, tous ceux qui vont rester dans le milieu. Voilà. En gros, on a quand même un petit peu, pas mal un papier spawner en ce moment. Je vais agrandir la place du bas, faire des escaliers pour monter jusqu'en haut du spawner pour éliminer au pire. Oh, et puis au pire, on fera les fonds, on laisser tomber en bas. Sauf les bébés zombies, j'ai rien qu'on pour les battre, ça. Faudra les dresser normalement. Ouais, non, je voulais pas foutre le coffre. Ouais, ça a l'air de spawn à l'infini. Enfin, tu les peux pour l'instant, les zombies. Non, je les tue pas, t'inquiète. Ouais, y'en a combien là? 6, y'en a pas 8. mal, t'inquiète. Y'en a 8. Pour voir si ça spawn encore ou pas. Ah ouais, ça spawn encore. En fait, c'est bien. C'est pas le meilleur spawner, mais c'est quand même pas mal quoi. Bon, 2. Faut juste creuser un peu plus. Et puis les. Après, je sais pas si on arrose un petit FK et tout. Je sais pas non plus. Mais est-ce que l'eau en haut elle reste ou pas? Eh ben est-ce qu'il y en a des zombies qui restent en haut ou faut mettre de l'eau absolument? Ah bah il faut mettre de l'eau. Ok. Tu veux t'occuper de ça juste... mec? J'ai un Mais seau faut d'eau si juste. quelqu'un d'autre a un seau d'eau. Il faut des pancartes. Il faut du bois. T'inquiète, j'en ai du bois. Je vais faire des panneaux, attends. T'as 4 seaux d'eau, ok, fais une source d'eau infinie en haut. Pas mal de bruit quand même. Et là il y aura des trucs d'eau les amis comme je vous ai dit, mais bon ça faudra régler ça plus tard. Pour le moment ça va être ça comme ça avec des coffres autour. Comme ça parce qu'on pourra récupérer les trucs de merde. Alors maintenant les panneaux, prenez le bois, fais des panneaux, source d'eau infinie, viens faire ta source d'eau infinie ici. Non Riel, viens faire ta source. Déjà un. Ok, je vais juste couper le bruit des mobs parce que dans ma vidéo ça va gâcher tout le truc de merde. Fait que voilà, dans le premier épisode, les amis, au moins ça va créer un petit mob spawner. Là, non, du moins dans la première vidéo. Fait que fais ça. Et puis, ça, toujours pratique. Dans le deuxième, moi je vais aller me faire une skybase. Tu vas sûrement en faire une. Moi, Black. Moi j'ai déjà. T'as déjà un home? Une forme. Ouais. Ok, mais t'as une skybase ou pas? Non. Ok. Non mais on n'a pas non plus, on n'a pas beaucoup de hommes, on en a qu'un je crois. Vous avez qu'un? Oh fuck. Ok, attention. Ouais, mais faites pas chier vous, bande de PD. Mettre des blocs au-dessus. Ouais, je vais aller en mettre, t'inquiète. Pas tellement à moi. Ça. Ça va Black, tu t'es pas trop fait? Non, c'est bon. Moi je pensais qu'il fallait les mettre à l'intérieur, non? Parce que là en fait, tu regardes ce qui va arriver mon gars. Ah ouais, on avait même pas besoin de pancarte. Merci. Ok, ben bah je vais chercher d'autres sauts. J'en ai deux de sauts en portant. Regarde. Mais je pense pas qu'on a besoin de sauts, regarde. C'est fait à plat. Regarde ce que ça fait, ça tombe direct. T'as vu? Si t'enlèves la pancarte, là, ça tombe pile.
Enlève le panneau, ça tombe pile poil. Attends, si j'avais mon stick que je vais te Voilà, regarde, tu vois, il tombe direct. On fait les quatre coins, t'as même pas besoin de panneau, mec. On est un peu con. Donne-moi les deux sauts que t'as. Attends, là, je vais chercher. En fait, le coffre. Tu peux casser les panneaux et puis les coffres et tout avec ta hache, s'il te plaît, ou donne-moi là. Non, les panneaux, je les laisse pour l'instant. Ouais, les panneaux, laisse-les pour l'instant, mais ouais. De toute façon, dans tous les cas, on s'en fout, c'est que des panneaux. Ouais. C'est plus en bas là-bas qu'on va avoir besoin de dos. Tu vois? Oh, peut-être dans le milieu ici, mais encore là. Tu peux faire un truc comme ça ici. Tu fous un seau d'eau, puis ça va se rendre. Si on fout un seau d'eau là. Ouais, c'est juste les deux milieux ici. Mais en Non, mettant c'est ça. un seau d'eau là-bas, regarde, mets un seau d'eau là-bas et ça va le faire. Non, parce que ça va faire, ça va enlever les courants. Non, 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 c'est bon, laisse comme ça. Ah, bah non, mais ça. tu vas voir. Tu peux juste essayer un couteau pire. T'as vu, j'ai une idée. Avec les points 4, ça passe. Comme ça. Qu'est-ce que t'as fait là, mon gars? Attends, c'est galère avec les courants. Ouais. C'est chaud. Mais tu l'avais, non? Non, ça faisait une source en fait. Putain, mais Mais on comme est je t'ai dit, con. regarde, comme je t'ai dit, t'en mets un ici, ça va juste descendre plus gros, quoi. C'est juste, ouais, t'as juste à faire ça. Qu'est-ce que tu fais, mon gars? Tranquille. En gros, on n'a pas besoin de panneaux. Et il faut des panneaux, gamin. Faut quand même des panneaux pour les coins. Ah ouais, que les coins. J'ai fait tomber tous les panneaux. Ah, c'est ballot, ça. Non, non, fais Le juste tuer, mettre un j'aime bloc. beaucoup, en Fais juste mettre un bloc. fait. Ouais. C'est un spawner à la mode. Ouais. Non, d'enlever tous les panneaux là. Non, mais arrête d'enlever les panneaux. Mais attends, je veux juste enlever celui-là, j'ai pas fait exprès. Voilà. T'es sérieux? Mais c'est bon, attends, je vais les remettre. Tu les remets sur les blocs là, gamme. Sur les blocs que t'as mis là. Ouais, c'est exactement. Mais bon, j'ai pas de panneau en fait. Ça le blâme. On va les tuer. Mais c'est con, Ah il va merde! fermer le truc. Ah merde! Je lui aurais donné la potion de force, je suis un peu con. Et c'est moi qui ai fermé le truc pour descendre. Parce que ça a bloqué avec l'eau. Bon, j'ai 11 panneaux. Ok, dépêche-toi à moi. T'es bon, c'est bon. Ils sont genre en Au pire, tu fais une rangée de 3, comme là t'as fait. Ouais, exact. Ouais, voilà. Hop. Ici, je pense qu'on n'aurait pas fait le truc, non? Attention au black. Attends. Des caisses. Ah, ferme, Pourquoi j'ai cassé un bloc de trop, fuck. là-bas ça ne va pas sur sol? Pourquoi ça se met pas sur sol? Aucune idée, mec.
Non mais... Mais attends, j'essaie de faire des expérimentations. Mets des panneaux, juste des panneaux dans ces deux coins-là. Je crois qu'il y a, c'est que pas égal. Ouais, c'est pas égal. Bon, c'est pas grave, hein. Tu fais juste me foutre des panneaux de ce bord et puis voilà quoi. Même ici, c'est pas égal, tu vois, il y en a trois ici. Je sais pas trop pourquoi, mais. Sensé. Ça spawn en masse en tout cas. Hein. Il faut aller rechercher les panneaux en bas. T'as encore? Putain. Oh, oh putain, j'étais sûr que je venais de tomber. Ok. On descend les amis, ça va être la fin de l'épisode. On aura fait un spawner pendant l'épisode. La première fois que je fais ça en vidéo même en plus. So c'est quand même pas pire. L'autre a fait les trucs pour les drops. Faire un drop aussi de ce côté. Ils ont disparu, il est pas nous. Non, je les ai. J'en ai 5. Vas-y, file. Je peux les Ouais, mettre. je pense que tu devrais plus les mettre parce que moi je suis un peu cabochon, toi. Ouais, faudra juste que tu fasses deux autres affaires pour les spawners. Je vais juste tuer toutes les mobs là, parce que ça commence à m'énerver. Faudra faire le truc de drop ensuite, puis ça va être assez. Ça va être ok pour nous. Fait que je suis niveau 40, je pourrais l'enchanter. Il y a des CD, what the fuck. Ah oui, c'est moi qui l'avais lancé quand j'étais en. Fait que voilà, j'espère les amis que cet épisode vous a plu. Si l'épisode vous a plu, ben vous pouvez laisser un pouce bleu. En gros, qu'est-ce que je vais faire dans cet épisode-là? Ben un peu comme toutes mes autres séries PvP Faction, les amis. Sauf qu'un peu différent, vu que c'est pas nécessairement la même chose. Vu que celui-ci est basé sur la farm, on a Alcazia qui est un launcher et on a Iceward qui est un PvP vraiment avec les cooldowns, etc. Fait que tous des serveurs PvP Faction différents, mais on s'amuse toujours sur toutes. Ça me fait plaisir de pouvoir vous proposer ça, les amis. En plus d'une série pillage qui arrive, que je vais pouvoir faire des pillages sur, exemple, TRVL et plein d'autres serveurs. Fait que, juste, genre, je vais aller jouer et puis. Exemple, je vous donne un exemple comme ça, vite fait. Et puis, je trouve une base, ben, je vais la filmer, je vais la mettre dans une série pillage. Qui va être juste une série de pillage, pas nécessairement sur des serveurs PvP Faction. Fait que, pas nécessairement sur des. Dans la série, dans les saisons PvP Faction. Voilà, je crois que je me suis bien exprimé. C'est juste que j'ai été clair, Black, parce que si j'ai pas été clair. Ah si c'est bon. C'est bon. Perso j'ai compris donc. Ok, bah ça va. Si Blackbird a compris, les Totsis, les autres ont compris. C'est Ça ça. va. Merci. Ça me fait plaisir de te le dire en plus. Fait que là, ici, faut juste mettre une source, des sources d'eau. Dans le mid. Ah, pas la source d'eau. Non, non, non. Je me suis trompé. T'es pas chiant, toi, non? Juste un. Oh là là. T'as pas un seau d'eau, mec? Je sais quoi faire. Attends, il reste un truc à faire. Merci. C'est bon. Tac-tac. C'est bon, j'ai un seau d'eau. J'ai vu, je me refais 10 Ah non, centimes. merde. Sérieux? Ouais. T'es trop riche, mon frère. Voilà. Comme ça, on en reçoit tous les drops à chaque fois. De chaque côté. Non, je peux presque me faire, je peux pas encore. Il va me récompenser un tout petit peu. Qu'est-ce que ça. Ouais, on peut aussi tuer ceux qui sont dans le milieu, ouais. Bon, bah nickel, voilà les amis, on a fini le spawner. J'espère que la vidéo vous a plu. Laissez un pouce bleu. J'aimerais ça qu'on ait 75 pouces bleus, les amis. Ce serait super fucking cool, les amis. So, on est capable, let's go, thumbs up. Puis Blackbird, le mot de la fin, mon copain, vu que tu sais jamais quoi dire, je me suis dit que je voulais que ça soit à toi. Mais pourquoi tu me dis pourquoi tu me dis de trouver un truc à dire? Mais t'es con, Non, j'ai rien. vas-y, Non, dis un truc. non, mais non, j'ai rien à dire, non. Non, j'ai rien à dire, c'est bon, j'ai rien à dire. Bon, allez, au revoir les amis, c'était Icon, le Pikachu de l'Internet. Bonne soirée. Fin de soirée.